Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne SBRI Fight TV, la chaîne qui vous permet d'augmenter votre potentiel physique, technique et mental. Alors aujourd'hui, je suis accompagné d'un très très grand champion au niveau mondial, en la personne de Malik Merad. Il est combattant au Bellator. Bellator, j'espère que tout le monde sait ce que c'est la plus grosse organisation après l'UFC en MMA. Il est aussi combattant au M1 qui est en Russie et au Cage Warrior. Donc voilà, on a face à nous un grand grand champion et aujourd'hui, c'est lui qui va vous montrer sa technique, son astuce pour progresser en Pratiquer la technique. Donc, comme je le disais, contre un adversaire plus petit que soi, il cherche forcément à casser la distance. Là, je m'amuse pas à boxer avec lui, donc je l'attaque en lutte. Là, toujours bien attrapé. Le crochetage. Et là, putain. J'atterris direct en 100 kilos. J'ai même pas besoin de passer sa garde. Là, je stabilise. Je le fatigue, hop, je passe en morsure, je reviens, je peux frapper des coudes, des percussions. Ensuite, j'attrape le poignet, je passe ma main en dessus. Première technique, celle-là. Deuxième technique, s'il a trop de force, je ramène le poignet, je verrouille, je me décale, j'écrase sa tête, je frappe. Et là, la soumission. Vous avez ce type de soumission. Mais des fois, il peut se passer que l'adversaire a trop de force. Donc là, ça ne marche pas. Comme Foued, il a beaucoup de force. Donc Ouais. là, je viens ramener son poignet ici. Je bloque. Je me décale. Et là, la compression du biceps fait qu'il tape automatiquement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu avec un très grand champion, la personne de Malik Merad, très grand champion et connu mondialement, d'accord, en MMA. Donc pour progresser tout simplement, voilà. Donc pensez à liker, commenter, partager et bien sûr à vous abonner sur notre chaîne SBRI Fight TV pour nous soutenir. On vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo.